Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de l'empereur Palpatine, Dark Sidious, donc le seigneur des Sith. Et on va faire son petit tuto peinture qui est pour moi pas ouf. J'ai pas pris trop de plaisir à peindre Dark Sidious. J'ai pas trop travaillé dessus. Alors déjà, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers Star Wars, je le trouve bon un peu chiant. et puis voilà, c'est pas mon truc. Voilà, mais je l'ai peint et je l'ai en figurine. Parce que bon, c'est de la collection aussi, hein, donc on aime tout avoir et voilà. Donc, l'empereur Palpatine. Ça a été un tuto peinture un peu chiant dans le fait que j'ai eu du mal à trouver l'inspiration au niveau des couleurs. Pour la peau, je l'ai fait différent d'habitude. Je l'ai fait avec de la couleur vanille. Enfin, c'est du blanc cassé, quoi. Mais voilà, j'ai eu quelques petits trucs comme ça, mais rien de fou, vraiment rien de fou. C'était voilà. Un petit brossage à sec, du bleu lumière pour vraiment lui éclaircir sa robe. Donc son espèce de grand peignoir. Ouais, voilà, c'est fait partie des rares trucs qu'on trouve. Après, on peut utiliser un bleu encore plus clair pour travailler sa robe. Alors, moi j'ai essayé de le faire bleu, on peut le faire noir, on peut le faire toutes les couleurs, mais j'ai trouvé que le bleu c'était pas mal, ça a changé un petit peu de Dark Vador qui était tout en noir. Donc voilà. Mais je dois avouer que c'est pas. Voilà, la pince de figurine, il n'y a pas vraiment de challenge. Bah, il faut ou alors il y en a un se dire putain, il faut que j'arrive à faire ressortir au maximum les couleurs. Bah c'est chaud, hein. Franchement c'est chaud. Donc voilà, après on essaye de faire quelques petits trucs pour attirer l'œil, mais le seul truc qui attire l'œil sur cette figurine c'est le visage en fait, c'est sa tronche de comique. Parce que j'ai fait un petit peu une tête de comique hein, en fait. Vous allez voir, on a l'impression qu'il a un pif disproportionné. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me planter quelque part, j'en sais rien, je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, hein. Il a un pif disproportionné et puis c'est tout, il va pas la ramener non plus. Donc voilà. Après avoir fait la peau, comme d'habitude, on va faire les yeux. Voilà, en fait, on retombe sur les mêmes choses. Après, à part dans les yeux, c'est d'inspirer. Un petit peu de colère, un petit peu un air méchant et tout, que j'ai pas réussi, j'ai pas du tout intégré dans la figurine. Hein. Alors quand vous allez voir la photo finale, je pense que vous allez vous marrer, vous dire c'est pas possible, c'est un personnage dessin animé. C'est un mélange entre Cruella et Winnie l'ourson, le bordel. Non mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà. Pour rattraper le coup, j'ai quand même mis un lavis noir un peu partout. C'est sympa. Notamment à l'intérieur des manches et de la capuche. Mais rien de fou encore une fois. Hein. On a vite fait le tour quoi. Hein. Franchement c'est voilà, c'est une figurine que j'ai peint en 21 minutes précisément. Voilà pour vous dire, hein, je me suis pas acharné dessus. Hein. 21 minutes en y allant cool. Hein. J'ai pas peint à 2000 à l'heure. Hein. Mais voilà. C'est malheureusement. J'ai pas. Quand on n'a pas l'inspiration, c'est chaud. Avec du rouge, je lui ai fait un lavis sur sa tronche. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ceux qui ont vu l'épisode 3 de Star Wars se rappellent que lorsque il lance des éclairs sur Mace Windu met son sabre, et ça l'affaiblit, on voit des espèces de traits rouges se dessiner sur sa tronche. Et après il vieillit un peu bizarrement. Donc voilà. Tout simplement, j'ai voulu faire une gueule bizarre. Et voilà sa tête de comique. Non mais sans rire, on dirait pas Winnie l'ourson. Il est horrible. Sa tronche, elle est horrible. Enfin bon, sinon le résultat est correct. Voilà. Mettez un pouce bleu pour le côté comique. Surtout pour ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour le côté comique. Un petit commentaire et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.